Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc encore sur Call of Duty, sur le nouveau donc, mais cette fois pour le multi. Donc je suis encore proche du micro parce que j'ai pas beaucoup de voix. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des petits pops dans le micro, c'est parce que je suis plus proche que d'habitude. Donc mais là j'ai pas le choix parce que sinon de toute façon vous l'entendez, j'ai pas de voix. Donc j'arrive pas à vraiment parler de loin et à parler plus fort. Et on va éviter de toute façon si c'est pour avoir la voix défoncée. Aujourd'hui, on va donc s'occuper du multi après la campagne solo. On va voir ce que donne le multijoueur. Bon, même si je pense qu'on va reconnaître tout de suite Call of, hein, évidemment. Mais on a des nouveautés comme Avec moi, celle-ci, vous par passerez exemple. le plus clair de votre temps hors du front. Lorsque vous ne serez pas sur le terrain, c'est ici que vous construirez votre carrière. Équipez-vous, entraînez-vous dur et apprenez à connaître les autres soldats. On est bien équipés, mais vous avez beaucoup à apprendre. Chaque homme et femme sur cette plage sait que ce n'était que la première étape pour repousser les Allemands. On compte sur vous pour nous aider à les repousser jusqu'au ras. Allez, soldats! Choisis une division. Voilà, donc le QG, c'est un des nouveaux trucs apparemment de ce Call of. Alors après, moi je pourrais pas trop vous parler des nouvelles choses et tout par rapport aux anciens parce que justement je ne jouais pas aux autres. C'est pas à la base Call of, c'est pas trop mon truc. Enfin voilà, je jouais pas aux autres, donc je pourrais pas vous dire sur le multi ce qu'il y a de nouveau, ce qui a été enlevé. Alors on peut choisir, excusez-moi, infanterie. Division blindée. Je pense que l'infanterie c'est pas mal. On va prendre l'infanterie. Bon choix, soldat. Vous pouvez L'infanterie est la personnaliser votre force. personnage, préparer vos équipements, consulter vos états de service et personnaliser votre expérience. Vos équipements, une des divisions les plus importantes, machin. Équiper des bonus de série de points pour renverser le cours de la bataille avec une grande puissance de feu. Accéder à vos états de service. Ici que vous trouverez des informations sur votre grade, vos performances au combat. L1 et utiliser la barre de navigation au-dessus pour ac accéder au salon. Ok. Bon, alors. On peut déjà. Donc on a des trucs, vous voyez, appareil de reconnaissance, machin, tout ça, et on a des trucs à débloquer un petit peu partout. On verra ça peut-être après parce qu'il faut certainement gagner des points. Là, excusez-moi pour le coup dans le micro. Alors, on peut changer le skin du perso. On peut même prendre des femmes, ce qui est plutôt sympa, je trouve. Bon, on va laisser comme c'était. Bon, là, évidemment, j'en ai pas, mais. Vous voyez qu'on peut changer l'emblème, on peut changer plein de choses. Ouais, on peut changer plein de choses. On va pas trop regarder non plus en détail. Je pense que ce que vous voulez voir, c'est le jeu. Donc on va aller tout de suite trouver une partie vers le front. Et donc on a des nouveaux modes. Mais dans ces nouveaux modes, on peut, comment dire, il y a un mode, je sais plus, un mode genre un peu, pas drapeau, mais un mode où il faut, bref, je suis désolé, je sais plus, j'arrive plus à me rappeler du nom du mode. Quand j'ai mon micro qui est allumé, ça me dérange un peu. Quand je vais regarder comment on fait mute. Voilà, normalement mon micro est coupé. J'ai plus
plus beaucoup de batterie d'ailleurs sur mon casque. Bon, malheureusement, on est sur du 6 contre 6 encore dans Call of. Alors autant dans Battlefield, tu trouves que c'est trop grand, il y a trop de monde, c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais autant là, c'est pas assez en fait. Il faudrait l'entre-deux vraiment. Après, je lis toujours, ouais, de toute façon, Call of, c'est plein de campeurs, machin et tout. Alors bon, je joue pas trop à Call of, j'ai joué un petit peu à Battlefield, mais j'y joue pas non plus vraiment. Mais j'y ai joué un petit peu, alors vous m'excuserez, mais sur des maps aussi énormes et avec autant de monde, on voit quand même plus de campeurs au sniper sur Battlefield. Je suis désolé, hein, mais. Et en même temps, c'est le jeu en lui-même qui veut ça. Sur des maps aussi grandes, avec des classes au sniper, il y aura forcément des gens qui vont être planqués avec des snipers. C'est même pas un défaut en fait. C'est. Donc là, je sais même pas si on est sur un match à mort ou. Oh merde! Ils étaient beaucoup là. Bon, vous allez vite vous rendre compte que je suis pas un. Un ouf du jeu non plus, hein. Non, parce que je connais des gens qui passent des heures et des heures sur les Call of Battlefield et tout. Moi, c'est pas mon cas. Et ça va se voir. Même pas là, si on est sur un match à mort classique ou quoi. C'est le mode conquête, voilà le nouveau mode que je cherchais tout à l'heure. C'était ça que je cherchais tout à l'heure. Mais je suis pas sûr qu'on soit dans ce mode-là. Là. Bon, la map est plutôt. Excusez-moi, elle a l'air plutôt sympa. Il y a des petits effets de particules et tout. C'est un collègue à moi. Bon. Bon. Je suis plutôt mauvais, mais ça. On peut pas voir ce que c'est comme. Comme mode? Vraiment? Ça pète quand même. Putain. J'ai tiré à côté du mec. Mais bon, là au moins on n'a plus de jetpack ou ce genre de choses. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un freeze. Et là encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que le jeu a planté. Ma merde. Bon, bah écoutez, on va faire une pause et puis on va se reprendre juste après. Et on se retrouve et donc, bah, comme vous le voyez, on a une erreur là, donc je ne sais pas ce qui se passe. On va réessayer. On va voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, bah on ira aux zombies, hein. Écoutez, bon bah ça ne marche pas, bah écoutez, on va voir si les zombies ça fonctionne et on va essayer les zombies.
Alors, je sais pas ce qu'il y a, il y a un petit plantage sur leur serveur ou je ne sais pas. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est quand même dommage que ça arrive quand on fait une vidéo pour montrer justement à quoi ça ressemble. Ça ne fait pas une bonne pub au jeu. On va voir si le mode zombie fonctionne. Ah, le PlayStation Network est en cours de maintenance. Ah oui, d'accord. Bon. En fait, c'est le PSN qui est en maintenance. Bon, bah merci. Si on fait partie locale, est-ce qu'on peut faire partie locale et jouer tout seul aux zombies? Oui, bah on va prendre cette partie et puis on y va, allez. Allez hop, on y va. Bah malheureusement, hein, je suis désolé, mais pas pouvoir vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Avec cette connerie de PSN. En maintenance, juste au moment où je veux faire ma vidéo. Bon bah écoutez. Je sais pas ce qui se passe. Mais au pire, on refera des vidéos. Enfin, je referai des vidéos puisque à un moment il va y avoir des creux là. Et je referai des vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sort de partout en fait. On va se casser d'ici. Besoin d'énergie, ouais. J'en ai 500, mais il en faut 750. Bah, il va falloir que je rachète, enfin que je regagne des énergies. Pas mal ce couteau là pour le décapiter. Pas mal. Ah, on a une compétence en bas, feu à volonté, là, qu'on va pas utiliser pour l'instant. Wow! C'était quoi ça? Allez. On va ouvrir la place du village. Ça va arriver de tous les côtés. Ça, c'est le genre de truc qui peut être sympa à jouer à plusieurs. Mais en fait, comme pour décembre et janvier, j'ai pas grand chose de prévu en termes de sortie, puisque moi, Monster Hunter, tout ça m'intéresse pas trop. Je vais vous. Regardez que ça arrive pas trop dans mon dos quand même. Je pense que je vais vous faire du zombie peut-être à plusieurs, je vais vous faire peut-être du Killing Floor 2, je vais vous faire du Fortnite sûrement. Enfin on va. On va essayer des choses que j'aurais pas eu forcément le temps de faire avant. Histoire de vous montrer un petit peu tous ces jeux-là, même si pour beaucoup d'entre eux vous les connaissez déjà, mais pour se faire des petites vidéos sympas, détentes, enfin, voilà, je pense que ça peut être pas mal.
Bon. Après, ça, c'est évidemment des modes qui sont plus marrants à jouer à plusieurs. Mais c'est un truc que je trouve. Oh putain. Commence à être beaucoup là, ces cons là. Pas de courant, je dois trouver un générateur. Et vite. Bon. Je vais crever bientôt. Bon, je dois trouver un générateur, il disait. Il doit y en avoir un qui traîne quelque part, hein. On va aller. Excusez-moi. Traîner par là. Oh putain. Ouais, donc après, on a des nouveaux types de zombies. Et eux, ils courent plutôt vite, hein. Il va falloir de l'électricité, je crois. Les zombies sont de plus en plus résistants. Il y a quelque chose de plus efficace que des balles pour les arrêter. Ah ouais, mais autre chose que des balles, je vais pas avoir, moi, là. Bon, je pense que ça va être bientôt ma mort. On va essayer de courir quand même, on va pas mourir. Ces portes sont reliées à l'électricité, faut du jus pour les ouvrir. Ah putain. Allez là, pète, 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 s'il te plaît. Merci. L'autre il rampe là, il est toujours pas mort. Salopard. Oh là là, je suis pas bien là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien, je suis désolé là, pour ceux qui connaissent vraiment le mode aussi là, et qu'il y a des objectifs que je ne fais pas ou je ne sais pas. Il y a des gens qui doivent criser un peu là. Que je remplis pas les objectifs. Wow. Il y a un chemin de l'autre côté de cette porte. Même ça parlait de gaz à un moment donné. Ouais, je pense qu'il y a un moment où ça devient ingérable tout seul. On peut pas y aller là-dedans. Fils de pute. Bon. Et ça, je trouve que c'est un ajout sympa de Call of. C'est d'avoir fait un mode. Allez, 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 s'il te plaît. Dépêche-toi. Ils arrivent tous derrière moi, là. Ah, je vais crever.
J'essaie de surveiller partout autour de moi parce que bon. Et de viser la tête. Je peux pas y aller là-dedans. Non. Je peux pas y aller. Bon. Bon, vague 8 et je suis toujours vivant, hein. C'est ce qu'on peut noter, hein. Bon là, il commence à être beaucoup. J'ai plus de munitions. Autant dire que je suis pas bien. J'ai plus de grenades. J'ai plus rien. Bon là, je me suis fait gangbang. Bon bah écoutez, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, j'aurais pas pu vous montrer le multi comme je voulais. Non. Je veux quitter ça, moi, les gars. J'aurais pas pu vous montrer le multijoueur comme j'avais envie de vous le montrer, mais bon. On va aller voir, peut-être que... Oui. Je vais retourner au menu principal. Multijoueur. Et bon, si c'est le PSN qui est en maintenance, de toute façon... C'est mort, hein. Ouais, non, vous voyez, bon. Écoutez, tant pis, malheureusement. On va laisser tomber. Et... Bah, vous aurez vu quand même un tout petit peu. Et puis surtout, vous aurez vu le zombie. J'aurais bien voulu vous montrer plus le multi, mais bon, vous l'avez vu après. C'est du Call of pour ceux qui connaissent déjà. Il y a quelques nouveautés, il y a quelques changements. Mais c'est surtout que c'est fini les jetpacks ou toutes ces conneries. C'est surtout ça. Après, bon, bah... Je vous ferai peut-être des vidéos un petit peu plus tard pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Mais là, bon, pour l'instant, ça va être compliqué si c'est pour que ça déconnecte ou que ça déconne. C'est pas la peine. Donc je vous remercie. J'ai plus de voix. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques jours.